Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang et de Boobies. Il y a Boobies avec nous, il y a Boobies. Bonjour Boobies. Bonjour. Boobies. Vous allez voir, il est comme moi, c'est un pirate hybride. C'est-à-dire qu'il a un stuff chelou. Regardez, je danse. Regardez, je danse, stuff chelou. Est-ce que tu peux me rejoindre sur le pont et faire une danse chelou, s'il te plaît? Avec ton stuff chelou. Je suis pas sur ce pont là, je suis sur le pont, le d'amarrage. Sur le pont d'amarrage. Voilà, excuse-moi. Ah, Boobies est bourré, bravo, bravo Boobies. Allez, tout de suite, la vie du grog, on a pas même pas commencé à prendre la mer. Bravo. Voilà. Je m'assois. Je sais même plus comment on danse, attends. Je m'assois et je te regarde danser. Tu appuies sur W, tu choisis. Ah oui. Alors. Inutile de sortir ton accordéon. Est-ce que ça te plaît? Oh, ce petit zouk. Regardez-moi cet homme sexy. Alors attendez, il faut que je vous le montre avec une lanterne, hein. Une vraie lanterne, bien sûr. Regardez! Regardez ce manteau de loup de mer avec une chemise de baron, avec des gants de baron, des bottes de baron, hein, très baron quand même, hein. Mais un pantalon de loup de mer et le chapeau des loups de mer. Beau gosse. Ah, il a fait comme moi, il a bien sûr mis le ceinturon, le vrai, le ceinturon de l'amiral. Formidable, bravo. Récupérons nos poulaillers. On va se faire une mission chiante. Alors, on a décidé de partir sur une mission de type chiante, parce que... Enfin, on a décidé. Disons que j'ai décidé de partir sur une mission de type chiant, puisqu'on m'a dit, comme tu veux. Je fais, bah vas-y, on va prendre le plus chiant pour nous deux. Parce que ça fait très longtemps que j'ai plus joué. Ouais, exactement. Et du coup, il faut que je me refamiliarise avec le jeu. Et que finalement, tu as gagné Sea of Thieves grâce à un concours comme d'habitude gaming. Non, je déconne. Qui a jamais eu lieu. Exactement. Et, du coup, tu kiffes la vibes. C'est le moment de récupérer, de s'éclater un peu sur ce jeu dont tu as perdu beaucoup de bases et dont tu pourras voir, il y a beaucoup de quêtes. Enfin, beaucoup de quêtes. Pour et un on a jeu tout. Que... C'est marrant parce que c'est Zerator qui disait que finalement pour les gens qui avaient vraiment acheté le jeu, il y a quand même 60% de gens qui lui ont mis 5 étoiles au jeu en vrai. Bah, il est bien, je crois. Ah oui! Tu n'as pas ça, Boobies! Tu n'as pas ça! Allô, Boobies! Tu n'as pas ça! Tu n'as pas cet objet? C'est quoi? C'est mon haut-parleur, Boobies. Tu l'entends, mon haut-parleur, Boobies? Est-ce que tu entends, mon haut-parleur, Boobies? Friendship, friendship, dit Momo. Momo, il dit friendship. Il dit, c'est le bateau de l'amitié. Est-ce que tu entends, mon Boobies? Oui, j'entends très bien. D'accord, très bien. Bon, on va trouver ça, alors. Ah, tu n'as pas ça, non plus. Oh, stylé. Ouais. Faudra qu'on trouve ça, aussi. Tu n'as pas cette musique non plus. Non. On va trouver tout ça, mon grand. Mais on vous embêtera pas avec ça, on va faire ça en off. Nous, aujourd'hui, on va aller chercher des trucs de poulets, c'est ça en fait. J'ai même pas regardé la quête, mais je crois que c'est que des cages de poulets. On va chercher 4 poulets, là, vraiment. 4 poulets, là. Ouais. Ah, tu l'as, le tambour? Je l'ai. T'as fait quoi pour avoir le tambour, Boobies? Boobies, tu connais des développeurs? Qu'est-ce que tu fais avec les développeurs, Boobies? Il a le haut-parleur, le cochon, ils lui ont donné. Ah, les cochons, ils lui ont donné. Cheater. Tu cheat. Qu'est-ce que t'as fait au dev, Boobies? C'est un wallack. Tu sais où on va, au moins, parce que... Ouais, on connaît, hein. Moi, d'habitude, c'est Maître Bob qui gère tout. Hein. Nice. D'accord, très intéressant. On a sorti pour l'occasion, hein, pour vous faire le plus grand plaisir. On a sorti des voiles bleues, le mât. On a même une coque de navire. Tu nous as mis quoi comme coque de navire, d'ailleurs? Un rebord rouge là. Je sais plus lequel c'est là. Je sais plus lequel c'est. Attends, je sais plus tous les noms. Hein. Il est quand même beau ce jeu. Hein. L'eau elle est magnifique. Hein. Je peux pas dire, mais. Ouais, enfin moi je suis pas en top qualité, tu le sais. Hein. Je tourne donc je suis pas en top qualité. Oh la musique du dépressif. Ils auraient quand même pu trouver plus cool que le tambour. Hein. Ah ouais, le tambour c'est cool, j'aime bien. Non, il est cool, mais genre une flûte, ça aurait été stylé. Genre une petite flûte de pan, t'as vu? Ça aurait été stylé. Toi-même, tu sais, hein. Petite flûte de pan. Essaye, mon frère, hein. Non, mais genre les petites flûtes, ça se faisait, hein. Une petite contrebasse. Une petite contrebasse des familles. Est-ce qu'il y a des poulets là-dessus? Des poulets? Bah écoute, il y a que ton joyeux Ping qui va pouvoir nous le dire, parce que moi. Avec ma distance d'affichage qui tâche. Les poulets. Même s'il n'y a pas de poulets. Des cochons déjà.
Ouais, mais cochon et quoi? Cochon encore. Cochon et quoi d'autre? Parce qu'il doit y avoir autre chose, monsieur. Tu veux que je fasse un petit plongeon? Tu veux que j'aille jeter un petit coup d'œil? Hein? Je vais pas décoller. Quoi? Ah, il y a un cochon en train de se noyer, ok. Non, c'est le moment de récupérer de toute façon des planches, tout ça, hein, à la base. Exactement, alors cet homme qui voit loin, cet homme qui voit demain. Prenez grand exemple, notre Bob. Notre Bob qui me méprise, moi et mon ramassage de ressources. Résultat, la dernière fois, quand on est tombé sur deux ricains, ça a failli mal tourner. Parce qu'on est tombé sur deux connards, deux gens Kevin de 3 ans qui attendaient d'aller prendre leur goûter, à mon avis, dans leur pays. Et ils nous ont cassé les noix, c'est-à-dire qu'ils passaient leur temps à essayer de nous raid, même s'ils gagnaient rien, s'il n'y avait rien à gagner. Juste parce que c'était des enfants qu'ils étaient cons. Alors, mon cher ami pirate, je crois que nous sommes sur une île exclusivement habitée par des cochons et non des poulets. Pensez-vous? Je pense que. Pensez-vous, pilote? Qu'est-ce qui vous fait dire ça concrètement? Est-ce que c'est l'omniprésence de cochons et l'absence de toute autre créature? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça pourrait ressembler à un préjugé, hein. Faites bien attention, monsieur. J'aime bien mes gants de fond de cale, là, dégueulasses, là. Tu le connais, la technique, quand même, pour aller sur le bateau pirate? Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, d'ailleurs, attends, on n'a pas vu ta coque. Alors, ta coque, c'est quoi? Attends, on va voir ta coque. Alors j'ai mis le nonoche, hein, parce que c'est tout ce que j'ai. Ah oui, t'as l'espèce de... Bah t'as le truc de la chasse aux requins. Comment ça se fait que t'as la coque du chasseur de requins? Non, c'est pas la chasse aux requins, c'est le truc qui était là avant ça. T'es sûr? Non, c'était du boulet. Il faut qu'on se la fasse, cette chasse aux requins. Je l'ai toujours pas faite, il faut que je la fasse, hein, un jour. Hein. C'est comme les attaques de forteresse, les événements de crâne, faudra que je m'en occupe un jour. Mais le problème, c'est que pour faire le... On met tout dans le barré du haut, là. De quoi? On met tous les boulets dans le barré du haut. Oui, bien sûr. Classico, hein. Un poulet à plumage blanc, un poulet rouge, donc un tacheté, un blanc, un tacheté de doré. Ça va pas payer tant que ça comme quête, hein. Putain, je suis dégoûté. La dernière fois avec Maître Bob, monsieur, on s'est gavé, hein, dans un petit épisode très court de 2h30 uniquement. Vraiment, très très court comme épisode, j'insiste. Tac. Je ne sais pas appuyer, c'est toujours très embêtant. Il devrait y avoir des poulets sur cette île-là. Tu vas sur quel Sharkbait Cove. Donc le monsieur avec le tambour, normalement, là où tu l'as récupéré. Sauf erreur de ma part, je crois que oui, parce qu'il n'y a pas de serpent sur... J'ai pas de mémoire de serpent, en fait, sur Sharkbait Cove. Donc normalement, comme on dit dans le milieu... Alors c'est un épisode de pirate, hein, donc bien sûr, vous inquiétez pas, je vais vous faire de la musique. Je me sers un verre de rosé, je vais m'allumer la clope, et je suis à vous, hein. Hein, bien sûr, mon bubis, tu fais pareil, hein. Épisode de pirate, y a pas de pitié. Hein. Épisode de pirate, toujours extrêmement court, hein, certifié une heure au moins, sinon remboursé. Voilà. Oh, attends, t'as déjà eu le kraken? Je t'accompagne, bien sûr. Et le mégalodon? Non, bah non. Il faut qu'on soit 5 personnes à jouer de la musique. Donc il faut 2 équipages, bien sûr. Donc il faut qu'on soit 2 équipages. Pas. Ah genre, il faut le faire pop avec la musique. Exactement, il faut être 5 à jouer du tambour. La nouvelle musique, je crois. La nouvelle musique que je t'ai fait écouter tout à l'heure. Ah, il a lâché la note. Elle est pour moi. Ouais, parce que faut que je qu'on aille sur l'île. Je t'en prie, navigue. Je te fais de la musique, capitaine. Quoi, moi? Ah oui, c'est ça que je suis en train de me dire. Moi, je serais globalement le boucanier à bord d'un navire. C'est celui qui fait en gros à manger, qui dépece les bestioles et tout ça, tout ça, tout ça. Le mec du loot, quoi. Je crois que c'est des poulets, ça. Non, ça, c'est des planches. Je voulais en face de toi, je crois, là. Oui, un blanc. Deux blancs et deux dorés et un noir. Donc on a déjà notre blanc et nos deux dorés. Je suis tombé, c'est parfait. Et j'ai encore rien bu. Mon perso n'a encore rien bu. Est-ce que tu peux ralentir la cadence, s'il te plaît? Voilà. Oh, merci, monsieur. C'est un très bon ralentissement de cadence. Hein. Est-ce que vous pouvez faire du 100 km/h maintenant?
fait pas du 0 à 100 comme ça. Les dorés d'abord, le doré d'abord. Ce qui vaut le plus de pognon, Jack. Allez, je t'ai niqué ton doré. Je l'ai pris. Attends, il fallait quoi? Un doré et... Deux dorés et un blanc et un tacheté. Bah on a tout là, non? Non, il nous manque le tacheté, c'est un rouge. C'est quoi ce bruit au loin, j'entends là? Entendu du bruit au loin? Bah non, mais c'est le vieux là qui est à côté de nous, normalement, qui doit jouer du tambour. Non, il est pas à côté. Attends. Non, il est pas à côté. Eh, ils ont viré le vieux. Ils ont juste laissé un tableau du vieux. C'est peut-être pour ça que t'as déjà le tambour et tout. Parce que normalement, tu l'avais jamais récupéré, ce tambour, on est d'accord. Hein. Tu l'avais jamais récupéré. J'entends un truc, là. C'est pas les poulets que t'entends par hasard hein. Non, non. Parce que moi, j'entends rien, mec. Hein. Genre... Regarde sous l'eau, un truc, hein. Regarde sous l'eau. Il doit y avoir une statue. Je sais pas, en tout cas j'entends un truc, hein, ça c'est sûr. Regarde sur le bord de plage, il doit y avoir une statue. C'est une statue que t'entends. Ah, squelette. Ah, là il y a une statue là. Ouais, là il y a une statue là. Où es-tu? J'arrive. Ok, on va plonger tous les deux et on va se la friter au close, ok? Mais c'est quoi, c'est... elle se fight? Elle peut nous faire des dégâts. Mets-toi à l'épée. On va plonger d'un coup. Ok. Elle est où cette connasse? Elle est juste là. Je disais, j'entendais un truc. Ah oui, elle est là. Ah, c'est une bleue parfaite en plus, j'en ai pas. Enfin, j'en ai qu'une. Faut que je fasse quoi là? Les bleus... Bah, tu la tapes au close, je t'ai dit. Tabasse-la au close. Voilà. C'est okay. Les bleus, c'est pas très solide. Et ça fait quoi ça? Bah, tu les cumules et tu vas gagner, tu sais, des jetons bleus de fond de cale. Okay. Qui va te permettre d'acheter les conneries des fonds de cale. T'as vu dire, je deviens fou, j'entendais un... Non, c'est la drogue, t'es caté. Ok, d'accord. Ce qui vient de se passer, c'est entièrement moi qui l'ai inventé. Non, non, et bien, GG, tu l'as entendu, moi je l'ai pas entendu. Bravo, tu as mérité un verre de grog. Et t'as vu, regarde, le pirate qui était là, en fait, toi tu l'as jamais fait, donc viens voir. Là où je suis sur la plage, normalement, t'avais ton pirate qui te donnait, c'est celui qui a l'œil au beurre noir sur le tableau, qui te donnait le tambour et le... Regarde. Ah, je peux faire F et regarder le tableau. Memeson, Derek, for the first time, well, he says, is my son, how can I deny it with a handsome mug like that? C'est du ricain, profond, j'ai rien picheté, mais je suis d'accord. Alors, je vais partir à la recherche, n'oublie pas de te charger en planche, banane, tout ça. Oui, oui, t'as pas besoin de me le dire. Ouais, t'as pas besoin de me le dire. T'es caté, hein. C'est plutôt moi qui te reviendrai si jamais je vois un truc que je peux pas ramasser. Alors, est-ce que nous avons une boule tachetée sur l'île? Je sais pas. Je vais trouver une petite boule tachetée, non? Je vais faire le tour. Je devrais monter le son dans mes oreilles pour être sûr d'entendre les statuettes. Mais j'ai peur de me mettre à gueuler puisque nous tournons encore le soir pour changer un peu, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas aussi drôle. J'aime tourner le soir, ça veut rien dire. C'est mieux, c'est mieux. Ah, c'est mieux de faire chier tout le monde, on est d'accord. C'est le cas. Alors j'ai une poule tachetée là. Ah bah, t'as pas de cage? Attends, bah c'est lui, mais non, c'est une statue là-bas aussi. C'est moi qui ai la cage. Alors, est-ce que tu peux m'indiquer là, où tu es par rapport au bateau? Reviens à ta gauche, là. Ah oui, je te vois. Oui, tout droit. Parfait, j'arrive. Mais il y a une statue aussi. Il y a une statuette. Et il y a un squelette aussi qui essaie de te casser le boule. Bon, ah ouais. Voilà. La boule tachetée, elle est là. Là. Et c'est la chasse au poulet. Et là-bas, nous avons une belle petite statue. Il où ce con? Il a. Il où ce con? Faut vraiment que je règle ma... Et c'est une bleue. Et c'est une autre bleue. Oh bah ça sera ma troisième, écoute. Hein. Ah, elle fait des dégâts là. Oui, elle fait des dégâts. On n'a pas encore résolu le pourquoi du comment elles font des dégâts et dans quel cadre exact elles font des dégâts, mais... Ah non, c'est une verte, monsieur. Hein. Ah, c'est, oui, son c'est son cristal qui compte. Les vertes, c'est un peu loin à tabasser. Hein. Amusons-nous bien. Okay. Voilà, conjureur de la malédiction de l'émeraude, monsieur. Obtenu.
Ah bah tu prends, c'est gentil. Je te le porte. Ah bah merci monsieur, vous êtes bien aimable. J'ai vraiment l'impression qu'on trouve des statuettes partout. Alors je vais vite faire regarder dans cette grotte s'il n'y a pas un loot à piquer. J'aime bien piquer. Je t'en prie, fais donc. Pas de loot. Non, c'est pas tellement une île à loot, Sharpecov. C'est pas dingue. Ça a jamais été dingue. Ah, par contre j'entends de l'orage, donc doit y avoir de la tempête quelque part, fais gaffe. Ouais. Va falloir faire attention quand on va reprendre, je dirais bien la route, mais en vrai quand on reprendra la mer. Il va y avoir des petits soucis techniques. Ok, ok. Voile de navire. Je ne vois point la voile de navire. J'y suis là, tu devrais avoir le mal. Attends, j'ai trouvé des boulets. Il y a 3 pour t'acheter là. J'ai trouvé des boulets. Ces superbes voiles bleues, incroyable. Pourquoi bleu? Parce que bleu comme la mer, bleu comme le ciel, moins de chances d'être vu. Et bleu comme toi. Et bleu, bleu. Comme les bébés bleus. Mass Effect 1, bien sûr. Des boulets, des boulets, des boulets. Toujours prendre des boulets. Exactement. Toujours prendre du Knarfang à bord. Mais tu sais donc, enfin tu sais très bien que t'es pas un boulet, Knarfang. Ah moi si, hein, terrible. Hein. En combat, vu comment je rame, dès que je vois le moindre mec, ça je viens que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À cause de la capture, le PC, tout ça, la co, ça ne sert à rien. Où est le dernier poulet à bord? J'ai 3 poulets à bord. Oui, j'arrive. Ah, bon appétit, monsieur. Merci. Attendez, petit verre de rosé, voilà. Pas des boulets, hein. Non. Oh. C'est ça, les bonnes bases. Alors, on doit amener ça à Ancient's Post, avant-poste Ancient Spire, qui est tout à droite. Alors, qui est ici, en gros, ça te revient à prendre plein est, légèrement nord. Tu peux faire le tour de cette île et tu feras un tout droit. Plein est? Ouais, ouais, ouais. En fait, tu fais le tour là de cette île et après, c'est quasi plein est. On va le faire dans ce sens. Je sais pas si tu vois avant Plust Plunder. Plunder, tu la verras quand t'auras fait le tour. Non, fais pas le tour à gauche, fais le tour à droite de l'île. Bon. Ouais, ouais. C'est plus rapide, hein. Non, non, c'est pas plus rapide. Ok. Parce que c'est pas tout à fait plein est en fait. En fait, tu fais le tour de l'île. À partir du moment que t'as fait le tour de l'île, tu fais quasiment plein est. Et à chaque fois que tu vois une île droite devant toi, tu passes à sa gauche. Et en fait, systématiquement, ça va te réaligner pour te ramener sur. Sur Ancient Spire, mais de toute façon tu peux voir la carte puisque depuis le haut tu peux voir cette carte. Ouais, ouais, je sais, je peux me pencher. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à ce jeu? Oui, mais pas des Français. J'ai beaucoup de mal à trouver des Français et quand je trouve des Français. Enfin, quand on a trouvé des Français, c'était des petits cons. Bon. Ok. Ça va pas manquer. J'ai été dégoûté de me dire que des Français sur ce jeu-là étaient des cons. Autant ils sont très agréables sur R6, les Français, ils ont bon humour, ils sont très agréables. Tu peux passer à gauche de l'île qui est face à toi. Non, pas... Ouais, c'est ça. Attends. Entre la tempête et... c'est l'avant-poste qu'on voit de toute façon, là, en fait. Ouais, c'est pas l'avant-poste qu'il faut que tu passes, c'est là... ouais, c'est un peu plus à droite. Tu vois l'île qui est devant à droite? Ouais, en pic, là-bas. Ouais, c'est ça. C'est l'avant-poste Plunder, ça. Et il faut que tu passes à sa gauche. Tu m'excuseras, on ira quand même dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'il y a des corbeaux, enfin des oiseaux, des mouettes ou je sais pas ce que c'est. Ah, tu penses qu'on a un petit, une petite épave là? Bien sûr. Je ne serai point formel. Parce qu'on en a aussi derrière nous. Ouais, mais. Eh oui. Ça c'est du. Alors je reconnais qu'il y en a peut-être plus là où tu m'indiques, mais. Je ne serai point formel. Ah, quoi que oui, vu la manne mouette, on peut avoir des tonneaux ou... Je ne vois plus les, les mouettes. En tout cas, il y en a juste à côté de nous, des mouettes, et ce sont des tonneaux. Ah, il y a des tonneaux maintenant aussi. Hein. Là où tu veux qu'on aille, je ne vois que des mouettes, je ne vois rien. Si, je vois une quille de bateau. Redresse, et jette l'ancre. J'y suis. J'y suis, je l'ai trouvé. C'est bon. C'est les fleuves du Blessing of Athena. Et voilà, une petite bateau. Un petit bateau. Le madeleine est vraiment bon. Ouais, les madeleines c'est cool, mais c'est pas bon pour mon régime.
Alors il y a plein de trucs là, t'as vu la petite caisse d'épices, je t'apprends rien. Bien vu. Bien vu. Et je remonte un coffre de naufragé. Et de l'XP en plus pour le marchand. Tellement tu vois rien quand il flotte là dans la tempête. Ce que je vais faire, je vais te les mettre tous là. Et tu veux que j'aille les récup, ok, à la nage, ça marche. Après je pourrais avancer un petit peu le bateau en vrai. Si tu te changes chaud, vas-y. Il faudrait que je dépose aussi ce que j'ai sur moi pour récupérer tout ce qui est boulet, oui, tout ça. C'est pour ça que finalement t'énerves pas plus que ça. Ah, rangeons bien les choses. Ce coffre il va aller sur la rambarde. Parce que vous savez que j'aime bien mettre des coffres ici. C'est ma passion. Mon cher, j'ai trouvé une caisse de thé, je crois. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même aux gens qu'actuellement le jeu que je t'ai avancé. Puisque tu vas me le rembourser, évidemment. Oui. Mais le jeu que je t'ai avancé est actuellement à 34€, donc 33,99€ sur Instant Gaming. Voilà. Je vous dis, je pense que le jeu vaut ses 39 balles. Je sais pas s'il vaut beaucoup ouais, 30, plus. Ouais, 30, 40, je pense. De toute façon, il y a beaucoup de jeux qui sortent actuellement. Qui en sachant que bon, ça annonce du lourd, hein, puisque nouvelle map annoncée quand même. Hein. Ouais. Ça voilà. Va faire du bien. Ça va faire du bien, on a quand même à première vue là depuis le mois de juin, on a quand même quelque chose toutes les deux semaines, ils ont ajouté de nouvelles choses, les squelettes qui explosaient, là vous avez vu, il y a les nouvelles statues. J'ai un crâne, on a les deux semaines, un mois. Et... Ah, c'est beau ça. Il n'y a plus rien dedans, à part si tu veux ramener tout ce qui est boulet et tout, ce qui pourrait quand même être intéressant. Bon, après, est-ce qu'on a autant besoin que ça? Parce qu'en vrai, dans la caisse du haut, en boulet, je crois qu'on est déjà à 80. Donc on a ouais, une centaine d'obus, hein, plus que t'as sur toi. D'obus carrément. Ah bah oui. Il y en a 20 dans la caisse du bas, ça fait rare dans le tonneau du bas, et dans celui du haut, il y en a 75 au moins. Donc on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. C'est surtout les planches le plus important. Obus... Le plus important c'est... Ah, obus je peux pas te dire visiblement, pour l'instant j'ai pas le droit de te dire. Paf. Oh tu là, as mis où tous les... Qu'est-ce d'espèce exquise. J'ai tout mis à l'intérieur. Sinon, pose le crâne sur le pont, je le prends. Il est où le crâne? Je l'ai posé. Je le vois pas, gros. Je le vois pas, gros. Il est dans le... Il est là. Hein? Là. Là, par terre. Ah. Ah oui, c'est un crâne vulgaire blanc. Ok. Voilà, il est bien rangé. Ça pourra pas l'oublier. Il y avait rien d'autre à voir, rien d'autre à récup que tu m'aurais laissé. Non, non c'est bon, j'ai tout vidé en stock. On a bu 83 en haut, vide en bas, donc ok, 83 obus actuellement. On part et sur on va un petit dégager. 46 de bananes et 40 planches, donc on n'est pas trop dégueulasse en vrai, on va pas se mentir. Vas-y. Et je te propose de faire tout ça en musique. Vas-y. C'est le truc que t'as sélectionné sur la carte, oui, exactement. Tu prends ah, ça de lunettes. Parce que là, je le vois pas. Regardez comment il est alcoolisé, le mec. Il ah a non, envie. Je le vois. Okay. Fou la droite. On va se faire canonner. Bon, non, t'inquiète. Je pense que si. Y'a des squelettes maintenant dans ces forteresses en hauteur? Oh oui, y'en a partout. J'ai jamais fait parce cette forteresse, je me suis jamais arrêté. Mais non, sur mais y'a des forteresses qui ont toujours pas de squelettes ou y'a toujours pas d'événements. Ça, c'est une. Maintenant, normalement, t'as toujours des squelettes dans. Regarde, y'en a pas là. Tu vois? Et ben, on a de la chance. Figure-toi. Mais les forteresses qui sont en hauteur comme ça, y'a jamais eu de squelettes encore. Y'a pas encore eu d'événements avec cela. Garantie à du million de pourcents. Ok. Je te crois. Moi, tu sais, les événements, je suis pas trop intéressé puisque ça intéresse surtout les autres joueurs. Les événements, nous, on les faisait en masse avec les autres. On essaiera de les ramener. Faut essayer de les ramener. Si on peut faire des maps à 50 navires, on sera heureux. Nous cadrons le PVP sur ce jeu. Je suis pas fan du PVP, moi. Mais ça, les gens le savent déjà. Moi je suis plutôt fan, paye les deux. Alors, est-ce que c'est le truc sur notre droite? Non, c'est tout droit. Hein. C'est tout droit pendant très longtemps. Voilà. On va régler les là, c'est Plunder, faut que tu passes à sa gauche. Yep, t'inquiète. Non, faut que tu passes à droite de Skyou.
Ouais, droite ou gauche, de toute façon. Ça change pas grand-chose. Est-ce que ce serait pas un bateau qu'on verrait là? Où ça? Non, c'est un caillou. Je n'ai rien dit. Est-ce que je te fais le bon Knarfang? Voilà. Bon Knarfang, il fait ça. Bon Knarfang, c'est le genre de mec qui s'assoit à côté de la barre. Il fait rien. Ah bah attends, si tu pars en musique, mec... Non, je vais jeter un œil sur l'île. Ne lâche pas la note. J'arrive. Et nous dérivons, mon cher, complètement. C'est pas important. La musique est plus belle. Est-ce que tu peux reprendre la mélodie pendant 2 secondes, Nelly? J'arrive. C'est bon, je la tiens. Oh, nouvelle épave. Exactement. Vous nous obligez à lâcher cette mélodie que j'adore. Ce chant. Ce chant mélancolique, typiquement celtique. Inspiré des musiques irlandaises, sans nul doute. Ah, je suis tombé à la mer. Ah merde. Bah, je t'invite à prendre la petite sirène, hein. Je ne lâche pas la note. Je te jure, je lâche pas la note. Je te jure, on va y arriver. Ça risque d'être compliqué quand même. Parce que moi, j'arrive plus à la rattraper, la note. C'est bon, hein, j'en ai que pour 15 minutes. Hein. Oula, par contre, je vais être droit sur l'épave. Hein. Oh, lâche pas la note, j'ai l'altar. Je suis prêt, j'ai le taxi, j'ai Uber. Uber, il est là. Ok. Oh, t'as lâché la note. Salaud de communiste. Alors, et elle est où cette épave? Elle est là. Loup. Je vais voir dans la cale du capitaine direct. Dans la cabine du capitaine? Il n'y a jamais rien dans la cabine du capitaine. Si, il y a des trésors. T'es sérieux? Ah oui, oui. Déployer des trésors. Putain, j'ai jamais rien trouvé dedans, mec. De ma vie, hein. De ma life. J'avais déjà trouvé 2-3 fois des coffres ou des crânes aussi. Oh, donc on m'aurait menti toutes ces années? Oui. Encore des salauds de communistes, bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'il y a un truc pour respirer? Oui, il y a un truc pour respirer. Ouais, moi aussi. Hop. Mais en bas, il y a un petit peu de quoi respirer. Des planches partout. Planches, des boulets. Planche des boulets. J'ai l'impression que cette épave a été faite, hein. À moins que tout soit dans la cale. T'as trouvé quelque chose dans la cabine du capitaine? Non. Non, il y a un crâne là. Eh bien, dans la cabine du capitaine? Non, il y a un crâne vif là, en bas, et je crois que c'est bien la seule chose qu'il y a dans ce bateau. T'es pas sérieux? Toujours un crâne en plus, mon ami. Oui, il est quelle couleur ton crâne? C'est un quoi? Je sais plus quel c'est là, je crois que c'est les deuxièmes mieux. Et il est gris avec des totoches qui brillent. Ouais. D'accord, bon, c'est pas trop mal. Enfin, ça aurait été un doré, ça aurait été quand même mieux. C'est les... je sais pas quoi, là. Ça aurait été un légendaire doré, ça aurait été quand même mieux. Ah. Mais bon. Écoute, hein, on prend ce qu'on a. Hein. Ah, regarde-moi ça. Ah, ce soleil qui reflète sur notre bateau, là. Mon Dieu. Avec magnifique. L'eau, franchement, c'est pas beau. Magnifique. Il est trop tu beau. Sais il quoi est magnifique, ce jeu. Je pense que t'as je vais... donné envie de faire de la musique. Exactement. Il commence à connaître le Knarfang après avoir trouvé la planque du Knarfang, bien sûr. Bravo, encore une fois. S'il fallait la trouver. Hein. Tac, tac, tac. Bon, avec tac, 3 indices, mais bon. Bah, c'est en haut. Je mets les bananes. Tiens, je vais en prendre une par contre. Hop. Et les boulets, on les stocke. Ah, si vous entendez Skyrim derrière, hein, c'est normal. Hein. Ah, on vous aime, hein. Des bisous. Alors. Pipi jambes de bois.
jambes de bois. Attends, attends, il faut que je vérifie un truc. Est-ce que je peux lâcher cette encre? Oh ouais, Bob, il avait raison. Vas-y, trop bien. Ah merde, j'ai arrêté de faire des tours sur moi-même. Oh oui, c'est rigolo, vas-y. Il fallait vérifier, le grand Bob avait dit. Maître Bob. Merci, Boobies. Je t'en prie. Alors, j'ai un travail pour toi. Est-ce que tu peux aller me remettre la carte en bas? Oui, bien sûr. Ah, t'avais déplacé la carte? Non, non. Bah alors, tu es toujours... Ah non, putain, t'as... Oui, on a dérivé de ouf. On a dérivé de ouf, ouais. Ok, c'est bon. J'ai remis en place... non, non. Non, 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 c'est bon, je garde mon stuff de base, mon stuff. Je voudrais juste poser ce crâne. Oh, il est magnifique. Oula. Tu veux peut-être quelque chose de on plus dangereux. On se fait tirer dessus par des PNJ, mon ami. Un boulet vient droit sur moi. C'est bon. Hmm. C'est sans doute un communiste. Sans doute. C'est le mec, t'as toujours un peu des communistes. Je vois un bateau en face de nous. Oh, ça par contre, j'aime pas ça. Ami. Elle est où ta voile? En face, pile poil en face. C'est un sloop, mon ami, un sloop. Effectivement, c'est un sloop. Mais nous n'allons pas là-bas. Qui contourne une forteresse. Je pense qu'on peut détourner légèrement notre attention. Même si on n'est pas très lourd de loot, ce serait pas intéressant. Je l'ai tué, je l'ai cool, hein. Y a pas de problème. Hein. Sachant que nous, on va droit devant. Et moi j'aime nous pas les le embrouilles. Vent. C'est vrai que je suis pas fan des embrouilles. Bon, il est sorti il peut de venir, hein, je pense que. Il est derrière l'île là. Oui, mais sache que tu serais tout seul à combattre comme maître. Merde, je suis tombé. Et je me déteste. Bon, bah vas-y, continue. Hein. Tiens la note, mon frère. Merde. Non, attends. Tiens la note. Non. Tiens la note pour moi. Désolé. J'arrive. Je prends un taxi Uber, ça va encore me coûter 50 balles pour un mec qui picole au volant. Merde. Je parle mal, je les connais pas, les conducteurs Uber. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont cons. Mais, c'est tout. Le sloop est toujours là-bas. Tu tiens la note, tu tiens la note, tu tiens la note, hein. Ah non, mais je l'ai perdu, t'étais trop loin. La note, le salaud. Il m'a trahi, comme ça. Ah, le bug de la cloche, le retour. Bien what sûr. Bah, c'est toi. Alors, j'ai retrouvé le même morceau. GG à moi. Où sommes-nous? Est-ce que c'est l'avant-poste, la mer? C'est l'avant-poste, la mer. Ah, je vois un galion en face. Il y a un galion en face, mon ami. Un peu sur la droite. Est-ce que tu le vois? Pour l'instant, non. Oui, là, à droite, derrière l'île, là. Là où on va. Mais c'est des amis à moi, t'inquiète. Et je vois le sloop encore sur la droite. Mon cher ami, c'est une catastrophe. Enfin, pourquoi? Je n'ai plus de café. Ah, je n'ai plus de rosé non plus et plus de clopes. C'est un drama. C'est un drame notoire. Je propose de vendre toute marchandise et de faire une recharge. Tout en vidéo, bien sûr. Gros bâtard. Non, j'avoue, on n'a rien trouvé. Pas de bouteille, pas de tonneau de poudre, rien. Pas d'annexe. Là, par contre, c'est le moment où je te file un petit coup de main. Genre, je rehausse encore la voile. Pas trop, pas trop. Ça te laisse le temps de régler un peu, non? Comme ça, c'est bien? C'est pas mal, je t'ai dit quand jeter l'ancre. Ok, je rentre la voile.
Et j'attends. Et tu peux jeter. Oh là 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 là, des années de métier hein. Ah clairement, clairement. Ah. Par ici. La vente de crâne, allez. Non, le crâne, c'est pas ici. C'est la meuf sous sa tente chelou, mystique. On l'a tout vendu? Ah non, il y a le crâne là. Il reste les crânes à vendre et le coffre. J'ai posé sur le pont un des crânes. Et j'ai vu, ouais. Je m'occupe des crânes, tu peux faire le coffre si tu veux. Alors elle était où? Elle était là-bas. Le coffre à 10 balles. Oh, 156. Oh, ils ont revu peut-être un petit peu à la hausse les prix. Hein. C'est aléatoire, hein, tu sais. Hein. Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont revu quand même à la hausse. Parce que t'avais du mal à dépasser les 100 balles avec un coffre. Avec un coffre de naufragé. Ah, je suis monté niveau 25 en réputation, mon ami. Beau gosse. Marchand. Marchand 25 oh. Ouais, je suis 25. Ouais. Beau gosse, je suis que 24 et quelques. C'est beau. Est-ce que nous avons tout vendu? Eh bien, oui, il semblerait. Moins que t'aies pas ramassé le crâne sur le pont, sinon on est bon. Bon, on peut déjà commencer par faire un plein. Je vais chercher... Ah, mais y a plus de café. Du coup, ce sera une... Non, mais déjà, fais un plein de ce qu'il y a sur le quai, s'il te plaît. STP. Ah, pardon. Espèce de type dissident. Pardon, pardon. Mais le plein de café tout de suite. Caféinomane, va. C'est pas moi qui peux vraiment dire le contraire, mais bon. Ah. Ouais, en obus, on commence à être bien, là. On atteint les 113 obus, on commence à avoir un petit peu de marge d'erreur. Les planches, mon ami, les planches. Ah, j'ai un petit frère qui me recharge la gueule en rosé, c'est génial. Bon, bah, je pense qu'il faut mettre fin à cet épisode. On se retrouve la prochaine. Tu fais des bisous, mon boobies. Parce que la prochaine, on l'a fait avec toi. Moi. Des boobies. Boobies.